ça, ils sont sous le fuselage. Oui. Là, ils sont allumés mais pas sortis. Et là, tu les sors. Donc, ça sort. C'est vraiment le truc amovible. Et alors, c'est de là, on peut les mettre un aussi. Ça, c'est deux phares qui sont à l'encontre des ailes et qui éclairent sur les côtés. D'accord. T'as des engine start switches. Tu pilotais quel avion sur un. Des petits hélices. Jamais des gros. Ça, donc, c'est pour démarrer les moteurs. Mais avant le décollage et avant l'atterrissage aussi, on les met sur continuous. Ça, c'est une position qui permettra de redémarrer en même temps. Donc, l'avion sent si le régime moteur baisse anormalement. Si ça baisse anormalement, il va redonner une impulsion électrique pour faire redémarrer les réacteurs automatiquement. Donc, tu peux les mettre, tu presses et tu vas vers la droite. Sur continuous, sur le deuxième. Voilà. Idem pour celui-ci. Voilà, ça, c'est bon pour le départ. Ici, tu as ce qui contrôle le pilote automatique. On va voler ici en manuel, mais on va quand même rentrer les valeurs. Il faut toujours mettre ici l'axe de piste. Ouais, donc tu as la vitesse, le cap. Notre axe de piste ici, c'est 120 degrés. On l'a là. Donc c'est une piste. Tu sais comment on numérote la piste ? Non. Donc c'est en fonction de la direction. On va vers 120 degrés. Donc ici, c'est une piste 12. Si la piste va vers 300 degrés, c'est une 30. 30. Voilà. Et alors on va monter. On va pas monter très haut. On va faire un circuit. Ça va monter à 3000 pieds. Voilà. C'est ça la vitesse ? C'est la vitesse. Là, on rentre 142. 142, c'est avec le poids. Alors, on le connaît par cœur. Normalement, c'est le flight management computer. Donc, c'est le cerveau de l'avion, si tu veux. Et c'est lui qui te donne les vitesses de référence, notamment la vitesse de rotation à laquelle tu commences à tirer dans le manche pour pouvoir décoller. Et la vitesse de sécurité sur un moteur, qui est donc toujours de 142 avec le poids qu'on a actuellement. Ça veut dire que quand tu voles à 142 nœuds, ton avion va pouvoir être contrôlable et voler avec un seul moteur. Donc c'est au fond le but à atteindre, t'as un 142, t'es safe quand il arrive même si t'as pas le moteur. D'accord. T'as ici l'indicateur des volets. Pour décoller, on va sortir les volets, donc ça va permettre d'agrandir la surface de l'aile pour pouvoir décoller facilement. Ça se contrôle à partir de ça, je vais te laisser faire parce qu'en fait c'est moi qui vais bouger la manette. Oui. Donc pour les mettre, donc tu vois, là on est sur flap, up, on va les mettre sur 5. Donc tu peux soulever la manette vers l'arrière, à 1 tu dois abaisser. Et tu passes un sous, tu as un petit crochet pour empêcher que tu aies une telle différence de portance, tu vois la portance, donc la force qui permet de faire voler ton avion, entre les volets sortis et rentrés. On te dit attention, attention ici, sécurité, est-ce que tu es sûr que tu veux les rentrer complètement, et donc tu as une petite sécurité, c'est un sac facile. Voilà, donc on a déjà tout fait, on va attendre qu'ils sortent entièrement. Et on est bon pour le décollage. Ouais. Et alors ici, donc tout ce qui est console, radio, et je vais rentrer la fréquence des balises. Ici, on a une aide à l'atterrissage, on a fréquence 100, 10, 1, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Voilà, alors, tu as des manettes de gaz. Oui. Qui va l'avancer jusqu'à être entre 90 et 100% ici. D'accord. Alors, ouais, dernière chose, tu peux étendre les pieds. Si tu tends les pieds, tu as des pédales, tu vois. Oui, je le sens. Ça, c'est le palonnier. Oui. C'est pour contrôler l'avion au sol. C'est relié à la roulette de nez. D'accord. Quand tu appuies à droite, l'avion repart vers la droite. D'accord. Et à gauche, l'avion repart vers la gauche. C'est comme ça qu'on contrôle l'avion en sol. Ça sert à rien de faire ça. Mais tu vas juste faire balancer tes ailes. Malgré tout, tout le monde a réflexe. Je m'étais toujours demandé. Ben voilà, c'est avec le palonnier qui contrôle l'avion en sol. Et voilà, let's go. Donc j'ai juste à pousser. Voilà, tu pousses. Donc pour arriver. Entre 90 et 100, voilà. Il y a une tendance. Tu vois, le petit rond. Tu lâches comme ça. Tu peux laisser aller. Tu regardes devant toi. Tu gardes l'axe de piste, on roule déjà. Et alors, prochaine étape, je vais te dire rotation, on va commencer à tirer dans le manche pour décoller. Alors, voilà, en rotation, je vais commencer à tirer, un mouvement assez fluide et ample, pas brusque comme ça, c'est parfait. Alors encore plus, tire. Voilà, et ça décolle tout seul. Alors tu peux rendre un peu la main, relâcher un peu la pression vers l'arrière. On a un taux de montée positif, je rentre le train d'atterrissage. Alors, rabaisse un peu le nez, donc pousse. Si on monte avec un angle trop important, on casse la vitesse évidemment. Donc là c'est parfait comme angle de montée, tu peux tourner à gauche. Je peux donner un nouveau cap, gauche, effectivement, sur un cap 30 degrés. Tu peux l'incliner encore plus, c'est très vrai. Tape comme ça, l'inclinaison est bonne. Exact, parfait. On monte gentiment. On a une petite alarme parce qu'on arrive bientôt à 3000 pieds. C'est l'altitude qu'on a sélectionnée ici. Tu vois là, c'est ton altimètre.
maintenant on est à 2300 pieds et à gauche tu as 94 de vitesse. Là on vient de passer les 202. D'accord. Ce qui fait quand même 400 km/h, c'est pas mal. Ouais, on continue à incliner comme ça. Et tu peux remettre maintenant progressivement les ailes en mode horizontal. Ok. Ça va un peu. Et tu peux recontinuer vers la gauche sur un cap 300 degrés. On fait ce qu'on appelle un circuit, donc c'est vraiment un tour de piste. Hein. C'est ce qu'on fait toujours. Quand tu commences la formation, tu fais des circuits tout le temps. Alors là, il te dit bank angle, c'est parce qu'on incline trop. Donc tu vas sortir un peu du virage, voilà. Encore un peu, encore un peu. Voilà, comme ça. C'est quelle ville ça? C'est Dubaï. Tu vas voir, tu verras sur ta gauche après les bâtiments. Vraiment là, voilà. Tu peux sortir avec un fait parfait. C'est bien, des bons restes de flight sim. Tu vois, tu as l'aéroport à ta gauche. Alors tu vois, t'as la tour que tu vois, c'est la plus haute du monde, la tour qualifiée, si je me souviens bien. Que je vais mettre sur le cap Alors tu dois idéalement être sur la ligne pointillée. Ouais. Ça c'est vraiment le but à atteindre après. Impec. L'altitude est parfaite, magnifique. Soit dit, on va descendre à 2000 pieds. Pour descendre, je vais mettre les gaz au minimum. Oui. Et il faut juste un peu. Légèrement, vraiment très légèrement, parce que l'avion, c'est un avion, tu vois, en vol horizontal, sur l'horizon artificiel, l'avion est au-dessus de l'horizon, donc c'est la maquette de ton avion. Et bien, si tu viens poser comme ça, là tu gardes l'avion sur la ligne d'horizon, comme ceci, tu mets cette attitude ici, tu vois que l'altitude est en train de baisser. Voilà. Donc là, on remonte un petit peu. Ouais, exactement. Là, sinon, on va accélérer de trop et on va piquer en fait trop. Là, c'est ton taux de descente. Donc là, on perd 1800 pieds par minute. Ce qui est déjà pas mal, si tu descends trop vite, ça va être désagréable pour les passagers. Tu vas avoir tes oreilles qui sont mal. Ça, j'ai un énorme problème avec ça. Ah ouais? Il y a des... Je suis obligé, je décompresse tout le temps. Ouais. C'est que tu as des sinus qui sont bloqués. Alors tu peux relever un petit peu, maintenant on va stabiliser à 2000 pieds, donc il faut relever le manche. Enfin, il faut tirer le nez pour tirer le manche pour relever le nez. J'y arrive. Tu peux partir un tout petit peu vers la droite. Exactement. Je suis assez, c'est nickel, hein, mais c'est pour pas. Tu vois la ligne verte, c'est notre axe de piste en fait. Donc nous, on va faire un demi-tour. Et c'est pour qu'on ne doive pas faire un virage trop serré. C'est ça qu'il faut bien garder son cap pour pas devoir être pris de court. Voilà. Tu peux vraiment garder une attitude néo. Donc on a une vitesse assez basse. Donc tu peux relever le nez. Relève le nez. C'est quoi, ça, c'est le trim. J'ai ajusté la position du nez par défaut en fait. Peut changer pour faire en sorte que ton avion vole avec une attitude, même quand tu fais aucune impulsion, que les attitudes un peu plus néo. J'utilise ça pour. Si tu sens que tu as toujours tiré pour garder ton altitude, d'accord. Tu peux changer la position en fait du neutre. Okay. Donc là on est en downwind, donc c'est quand on est parallèle à la piste en sens opposé. Et on va après tourner à gauche et puis retourner à gauche pour être donc dans l'axe de piste. Et quand on est dans l'axe de piste, c'est ce qu'on appelle la finale. La finale, c'est vraiment la dernière étape du vol quand tu es aligné. D'accord. Voilà, quand on se met à la mer, tu peux maintenant tourner à gauche sur un cap 210. Voilà, tu inclines comme ça, tu peux arrêter d'incliner maintenant, c'est bon. Laisse comme ça. C'est super bien fait, c'est fou. Voilà, tu peux sortir du virage. Et alors tu peux continuer à tourner encore à gauche sur un cap 120. Tu vois la piste à ta gauche? Ouais. Il y a les deux pistes. Alors on va venir vraiment s'aligner maintenant dans l'axe. Sortir le train, les volets, top, tu peux arrêter d'incliner. Et abaisser un peu le nez, abaisser le nez. Voilà. Alors garde ce cap-ci 450. Ouais. Le
temps d'arriver sur l'axe de piste. Donc tu vois les deux pistes qui sont quasiment devant toi. Hein, quasiment oui, devant toi. Je baisse un tour, toujours voilà. Un peu le nez. Oui, tu peux même remonter un peu là. Tu ouais. Peux remonter un petit peu, ouais, on est en train de tourner. T'entends un peu de gants. Je suis assez content avec ton GSM. Ah oui, carrément. On est en phase d'approche là, c'est pas sérieux. Tu peux voilà, un peu continuer à tourner maintenant sur la 120, tourne à gauche et on va venir se poser sur celle de gauche. Tu vois, il y a deux pistes parallèles à Dubaï. Donc il y a devant toi, hein, et donc on se pose sur celle de gauche, il y a deux lumières rouges qui entourent la piste. Voilà, relève un petit peu le nez, tape comme ceci, impec. Et alors, si tu regardes ton instrument, là tu vas sur ton axe de piste. Donc on dit que l'axe de piste est légèrement à gauche, encore incliné légèrement sur la gauche. Et alors tu vas vraiment avoir l'impression d'avoir la piste entre tes jambes, c'est vraiment le point de repère que tu dois prendre. D'accord. Voilà, là tu reviens bien. Tu peux relever un peu le nez. Je vais te t'aider un petit peu avec le trim. Alors là c'est parfait, tu peux même relever un tout petit peu ton chouïa. Voilà, relève encore un tout petit peu. Ça c'est un quoi, c'est un 737 800, ouais. 837 737, 800, bien 737, 700, 600, 800, 900. C'est ceux qui sont utilisés par Ryanair. C'est le plus vendu actuellement. One, two, voilà, là c'est vraiment three. Parfait. Généralement, quand on atterrit, c'est à combien de nœuds? Ah ben, cette vitesse-ci, donc entre 130 et 140. Donc, ça représente combien de kilomètres? 280, un petit 280. Pour les nœuds, c'est un petit x2, donc relève un petit peu, là on est un peu 400. Bas. Ouais. Comme ça, c'est bien. Presque comme ça. Et venez, continuez à mettre une pression vers l'arrière. Une pression vers l'arrière encore. Voilà, top. Tout petit peu à gauche pour venir vraiment être en plein milieu de la piste, mais c'est quasi parfait. Hein. Vraiment bon. Les pieds sur le palonnier pour qu'on fasse contrôler avec les pédales pour le. Enfin, qu'on soit seul, ouais. Alors relève, ouais, garde le nez, relève un tout petit peu, relève un tout petit peu, comme ça, impeccable, et on laisse descendre, wow, ouais, t'as touché, tu peux relâcher la pression en manche, et garder l'axe de piste au palonnier. Ça. C'est les inverseurs de poussée. D'accord. Donc le réacteur s'ouvre en fait et l'air est éjecté vers l'avant au lieu d'être éjecté vers l'arrière, c'était à freiner. Tu as trois freinages en fait. Tu as ici l'autobrake. Oui. Donc en fait l'avion freine automatiquement au niveau des roues dès que les roues touchent le sol. D'accord. Tu as les speed brake, ça c'est des petites plaquettes sur le dessus des ailes qui se lèvent, qui s'élèvent aussi automatiquement quand l'avion atterrit. Et tu as les inverseurs qui envoient c'est l'air ça qu'il faut vers l'avant. Ton bruit.